الحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On continue avec le hadith de la science dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelques principes concernant le demandeur de la science et la place des savants en islam. Kathir ibn Qays, il rapporte que il était dans une mosquée à Damas avec un des compagnons qui s'appelle Abu Darda. Et soudain, un homme rentre. Et cet homme, quand il est rentré à la mosquée, il dit à Abu Darda, je suis venu de très loin de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne suis venu que pour apprendre un hadith de ta part que tu narres directement du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Darda, il lui cite le hadith dans lequel il commence par les anges, comme quoi ils étalent leurs ailes pour celui qui cherche la science, et avant les anges, pardon, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque personne qui entreprend un chemin pour la science, Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin qu'il est en train de prendre pour la science, ce sera un chemin pour le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala agrée de notre part d'aller chercher la science. Et je vous ai dit dans un discours que la science n'est pas fixée à la science de la religion. L'islam ne veut pas créer que des fuqaha et ulama sharia. La science en islam, elle est le bienvenu dans tous les domaines. Tous les domaines, ils sont le bienvenu. Comme ça, on peut ouvrir. Vas-y, Akhi, vas-y. Installe-toi. Et ici aussi. Barakallah. Il y a au moins une dizaine de places à récupérer. Toute science, elle est le bienvenu en islam du moment qu'elle peut être utile pour l'humanité. Ça, c'est une. Et deux, les anges qui sont créés de lumière étalent leurs ailes qui sont de lumière pour la personne qui entreprend une démarche vers la science. Donc, toi, étudiant, étudiante, quand tu marches et tu cherches la science pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu ne marches pas sur du goudron, sur du carrelage, tu marches sur la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des anges qui vont étaler leurs ailes parce que tu cherches la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui habitent dans le monde céleste, les anges, ils descendent sur terre pour être au service de l'être humain et pour permettre à l'être humain de chercher la science et ils l'agréent avec leurs ailes. Ça c'est une. Et deux. Puis, les habitants des cieux et les habitants des fonds des mers implorent Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, d'être miséricordieux envers la personne savante. Parce que la personne savante, il en sait le bien. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces savants qui ont créé des armes à détruire des milliers. Ça, ce n'est pas de la science. C'est une science destructrice parce qu'il est nocif et nuit à l'humanité. La course vers l'armement ne peut être une science agréée que dans le cadre de se défendre. Aujourd'hui, tu es obligé de t'équiper. Sinon, tu seras écrasé. Et donc, tu es obligé d'aller chercher cette science pour établir un équilibre dans ta force. Sinon, tu seras quelqu'un de faible et tu n'auras aucun poids dans un monde qui ne reconnaît que la force. Mais à la base, en islam, on apprend toujours une chose. Pourquoi on fabrique, pourquoi on découvre et comment on découvre. C'est-à-dire, il y a des règles qui gèrent. Et toute chose qui risque d'être nuisible à l'être humain, il est banni en islam. Et c'est pour ça que l'islam, il dit, celui qui donne la vie à une personne, c'est comme s'il l'a donné à l'humanité entière. Et aujourd'hui, avec les armes qu'on est en train de découvrir, on tue l'humanité entière. On possède aujourd'hui des armes qui peuvent finir avec la terre et les habitants de la terre. Si aujourd'hui on est encore vivant, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les armes qui circulent, que ce soit chimique ou nucléaire, ce sont des armes qui peuvent finir avec la terre. Alors les anges, les habitants des cieux, et dans les cieux il y a les prophètes, au premier ciel il y a des prophètes, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, il y a Haroun. Il y a Moussa, il y a Isa, il y a Yahya, il y a Ibrahim, il y a Nuh, il y a Adam. Les habitants des cieux et les poissons dans les fonds des mers implorent le pardon pour les gens du savoir ou les gens du savoir. Pourquoi? Parce qu'en principe, un homme du savoir, c'est quelqu'un qui enseigne le bien. Et puis, on a vu la classe ou la place de l'homme de la science, le savant. Il est comme la lune par rapport aux autres planètes quand elle fait pleine lune. Pareil. C'est-à-dire, c'est la lumière. Un savant, c'est une lumière dans sa société.
Un savant, il guide les gens, il les oriente, il leur montre la voie, il l'éclaire. Ça, c'est les gens du savoir. Ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué cette qualité. Allah waliyul ladina amanu. Allah est l'allié des croyants. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Et par contre, les autres, qui est leur allié? Ash-shaytan. Il les sort de la lumière vers les ténèbres. Et l'homme du savoir, c'est quelqu'un qui doit montrer la voie. Ouvrez la voie. Et montrez la voie vers la lumière, vers l'issue de secours, vers la bonne chose. Si on est en urgence, il nous montre la voie qui va nous sauver. Il montre tout ce qui peut être bien pour nous dans cette vie. Et c'est pour ça que vous pouvez considérer la médecine aussi, c'est un savoir béni. Pourquoi? Parce qu'il aide les malades. Toute science qui est utile pour l'humanité, c'est une science bénie. Toute science, elle est bénie du moment qu'il y a des vertus pour l'humanité. On arrive à la fin des hadiths. Les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des pièces en argent ou des pièces en or. Ils ont laissé la science. Et celui qui puise, il a puisé dans quelque chose d'utile et de bien. Alors parlons de nous. Chacun d'entre nous, il a une préoccupation qu'à la fin de sa vie, il laisse quelque chose pour ses enfants. Même aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un, on ne te voit pas beaucoup, il te dit, la vie, elle est dure. Il faut bosser, il faut travailler. Je me réveille à 6h du matin, quand je rentre, je suis épuisé. Si à peine je peux prier le Maghrib et l'Isha, et je m'en vais dormir. On travaille dur. La vie n'a pas de cœur. Et le monde dans lequel on vit, il n'y a pas de pitié. On parle tous le même langage. On est préoccupé, si on est marié, à nourrir sa famille, ses enfants, c'est une préoccupation. Et c'est une préoccupation légitime. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Jusqu'au point que... Et après, la dunya, tu les as nourris, tu les as blanchis, ils ont un logement. Et après, ben, je veux leur laisser une part comme quoi, après mon départ, ils sont à l'aise. Ils peuvent faire face à la vie. Beaucoup de gens pensent de la sorte. Ils construisent des maisons, des commerces, des usines. Et il sait que tout ça, il ne l'emportera pas avec lui. Et il sait que toutes ces choses-là, ils vont rester derrière lui. Tu lui dis pour qui? Il te dit pour la famille, pour les enfants. La femme, il lui revient le 1/8 au cas d'enfant et en cas d'absence d'enfant, le 1/4. Et si la femme meurt, le mari lui revient 1/4 s'il y a des enfants. Et s'il n'y a pas des enfants, le mari lui revient la moitié. Donc l'islam, il a fixé les parts d'héritage dans Sourate An-Nisa. Il y a à peu près 2 pages qui résument l'héritage. Le quart, la moitié, le tiers, le 1/6. L'islam nous apprend le calcul. Alors venons au prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a un événement qui circule parmi nos frères chiites. Ils disent que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, Fatima radiallahu ta'ala anha, elle est venue, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa bien-aimée, elle est venue voir qui? Elle est venue voir le gouverneur. Qui est le gouverneur après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr. Elle est venue le voir, il lui a dit, voilà, je suis venu réclamer l'héritage de mon père. Qu'est-ce qu'il m'a laissé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Et vous savez, la place d'Abu Bakr Siddiq, et comment il est l'intime du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous pensez qu'Abu Bakr Siddiq pourra faire une injustice à la fille et la bien-aimée du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Jamais de la vie. Mais il y a des choses qui vont de l'avant, au-delà de Fatima radiallahu ta'ala anha, au-delà de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les règles, c'est la loi. Alors il lui a dit, tu n'as pas d'héritage. Pourquoi je n'ai pas d'héritage? Il lui a dit, j'ai entendu, de ses oreilles, radiallahu ta'ala anha, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, nous les prophètes, on ne laisse aucun héritage. Et tout ce qui reste après nous, c'est une aumône. C'est-à-dire tout ce qu'il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit rentrer dans le trésor public. Et la question qui se pose, c'est que le prophète, il est considéré pour l'univers entier, son message. Il est le tuteur sur tous les musulmans, tous les croyants. Et même il est l'homme qu'Allah a envoyé pour l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que les prophètes, ils ont une part de la dunya.
parce que la dunya, sa part, on doit rendre des comptes le jour du jugement. Alors il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé d'héritage. Est-ce qu'il a laissé le peu? Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé? Là, quand on parle d'héritage, on parle de fortune. Mais le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et pourtant, Fatima radiallahu ta'ala anha, il est venu réclamer ce peu. Mais Abu Bakr, il aurait pu fermer les yeux sur ce peu. Il dit, tiens, mais il va enfreindre la loi. Quelle loi? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous les prophètes, on ne laisse pas d'héritage. Et ce qui est resté après nous, qui leur appartenait, c'est une aumône, c'est-à-dire trésor public. Il n'appartient pas aux héritiers. Et donc on peut dire, les prophètes n'ont pas d'héritiers de famille. Ils n'ont pas d'héritiers de famille après leur mort. Ils ont d'héritiers de communauté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'héritage du prophète, c'est quoi? Cette prière, ce minbar, le podium du Jumu'ah, c'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière en elle-même, les cinq prières, c'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûner le ramadan, c'est un héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Tout ce qu'on fait au nom de l'islam, et qui est dans le cadre de la loi, c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut rassembler ça dans quoi? Al-Kitab, c'est l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Al-Sunnah, c'est l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Et tout ce qui en découle comme science, c'est l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Il est pour toute la communauté humaine, celui qui veut puiser dedans, qui veut connaître la vérité, qui veut reprendre la voie ou retrouver la voie, il n'a qu'à revenir vers l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Il nous a dit, priez comme je prie. Apprenez de moi, ça c'est l'héritage. Et nous, on enseigne à nos enfants, on transmet cet héritage. On le transmet. Par contre, l'autre héritage, il faut faire partie de la famille. Tu ne peux pas intégrer la liste des héritiers légaux si tu ne fais pas partie de la famille. Tu dois être un fils, tu dois être une fille. Et en cas d'absence, cet homme n'a pas d'enfant, c'est les frères et les sœurs. Et en cas d'absence, c'est les cousins. Il y a tout un arbre qui tranche. Mais seulement les gens de l'arbre qui peuvent hériter. Et s'il n'y a personne, c'est l'État qui hérite. C'est l'État qui prend. Mais moi, de l'extérieur, je peux venir. Ben, s'il vous plaît, il n'a pas d'héritier. Vous ne pouvez pas me mettre dans la liste? Non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, personne ne peut empêcher un musulman de prendre de l'héritage du prophète, alayhi. Personne ne peut empêcher un musulman de prendre de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut empêcher un être humain, même s'il n'est pas musulman, d'aller puiser dans l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est ça ce que les prophètes ils ont laissé. Ils ont laissé la science. Et un jour Abu Huraira il sort dans le marché, il voit les gens préoccupés, la dunya à vendre, acheter, négocier. Il leur a dit, les gens, l'héritage du prophète il est en train d'être partagé dans la mosquée du prophète. Ils sont tous partis vers la mosquée. Et après ils sont revenus. Bredouille, rien. Il lui dit, mais. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, mais on n'a rien trouvé. Comment ça, vous n'avez rien trouvé? Vous avez trouvé quoi? Il a dit, on a trouvé des cercles. Les gens de l'hadith, les gens de la jurisprudence, les gens du Coran, les gens qui apprennent le Coran. Mais il leur a dit, c'est ça l'héritage du prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est ça l'héritage. Et non l'héritage sur lequel j'ai vu de mes propres yeux, et sûrement que vous en connaissez dans votre entourage, des gens qui sont morts, et juste après leur mort, c'est la dispute familiale. Et la déchirure familiale, juste après sa mort, immédiatement après à sa mort. Et wallah, je viens de me rappeler, dans mon enfance, j'étais très jeune, et j'ai vu, on est parti voir un monsieur qui est mort. Et soudain, quelqu'un dit, mais c'est pas possible. On l'a laissé sur un tapis, vous savez, l'hsira, à l'époque, j'avais une dizaine d'années. L'hsira, l'hsira. Il a dit, mais c'est pas possible. On l'a mis sur l'hsira. Et on n'a pas trouvé l'hsira, on a trouvé le défunt par terre, sur le sol. Direct. Il regarde à gauche, à droite, quelqu'un dit, ouais, son grand-fils, il est venu, il l'a pris. Il est parti au marché. Il n'a même pas eu pitié du corps de son père, il l'a laissé par terre, direct. Est-ce que c'est pour ça qu'on est en train d'œuvrer? Quand on part, on laisse un héritage. On dit pour nos enfants, pour qu'ils vivent bien. Je vous le dis, une sonnette d'alarme. Ils ne vont pas vivre bien, ils vont se disputer. Même cette semaine, un frère m'appelle, il me dit pour l'héritage. Il m'a dit chez nous, ma soeur veut hériter. Lui, on dit, t'as pas le droit, les femmes n'héritent pas dans ce secteur. À notre époque, 21e siècle.
Et il y en a qui disent à la femme, ah, t'as de la chance, c'est l'islam qui t'a sauvé, il t'a donné ta part d'héritage. Vous voyez, c'est ça l'héritage. L'héritage de la dunya, comme dit chez nous, au sakh dunya. C'est ça sur quoi les gens se battent aujourd'hui. Mais le vrai héritage qui va nous sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel les anges étalent leurs ailes, et pour le vrai héritage pour lequel même les poissons dans le fond des mers interpellent Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi ghfir lahu, Ya Rabbi irhamhu. Ça, cet héritage, on l'a négligé. On l'a ignoré. Le seul héritage aujourd'hui auquel on pense, courir, 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 courir. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Si les prophètes sont des modèles pour nous, alors qu'on saisisse ce modèle comme il faut et qu'on fasse que ces prophètes soient un modèle pour nous, même pour la pensée après la mort. Et c'est pour ça que l'islam il a créé Sadaqa al-Jariya, l'aumône courante, l'aumône que toi tu vas mourir, elle va rester après toi, elle va te ramener des hasanats et des sayyats. Construire une mosquée, un cimetière, une rivière, planter des arbres, tout ça c'est bénéfique pour le défunt. Pourquoi? Parce qu'après lui c'est la bonne action. Mais imagine, c'est les enfants qui se battent, ils sont en train de se battre entre eux. Non, ça ne te revient pas ça, ça revient à moi. Ah, le père, il a mal partagé. Soudain, une deuxième épouse apparaît, d'autres enfants apparaissent. Je connais. Et c'est un savant, je ne vous dirai pas son nom. Quand il a voulu se marier, il avait 70 ans, sa femme est morte. Ses enfants sont venus autour de lui, il lui dit, oui, papa, tu peux te marier, pas de problème. Mais on a une condition. Ils étaient tous unanimement d'accord, filles et garçons. Et c'est quoi votre condition pour que je puisse me marier? Tu fais un mariage traditionnel, pas question que tu fais un acte avec elle. Pourquoi? Ben si, imagine que tu meurs et tu vas mourir. Elle va hériter d'un huitième. Il leur a dit, mais c'est son droit, même si elle passe une nuit avec moi de mariage. C'est son droit, c'est Allah qui lui a donné, c'est pas vous. Parce qu'une fois qu'il y a l'acte de mariage, elle devient épouse. Et ce monsieur meurt et elle hérite d'un huitième. Il y a les enfants, mais il prend sa part. Ils l'ont empêché, ils ont fait pression sur lui, il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont pensé à leur part et à leur héritage durant son vivant. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un intrus qui rentre et qui prend un huitième, une épouse légalement. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر أمورنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت. اللهم أحينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير وأمتنا ما علمت الموت راحة لنا من كل شر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك ونشهد أن لا إله إلا أنت أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد. وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير الرحمن الرحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا. ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا مصيبتنا ولا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أهل أنت أن تحمد يا ربنا، أهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا.
اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلمه به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، فأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وعافنا من كل وباء، ونسألك اللهم الشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوء وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.